idée, c'est parti de bas de tour. En fait, j'ai fait un premier dessin et j'ai voulu l'offrir à Michael Jackson en allant à Gelsenkirchen, à Düsseldorf. Et en fait, je l'ai remis simplement à un garde du corps. Et tant pis à qui, peut-être qu'il a disparu dans une poubelle, peu importe, c'est pas grave, mais c'était le geste symbolique, voilà. La BD, ça va, elle présente en fait le parcours d'un fan et tout ce qu'il a entrepris depuis, en suivant les tournées, en essayant de voir tout l'ensemble du décor de la scène qu'il a voulu recréer dans sa BD. Ça va, il fait partager en fait son expérience des concerts qu'il a pu partager, qu'il a pu vivre. Il partage ça avec les fans, justement, et ça c'est fort. Ça a commencé quand j'étais assez jeune, très petit. J'avais dû avoir 12-13 ans. J'ai commencé à faire un espèce de scrapbook. Enfin, je voulais faire, j'avais mon livre imaginaire sur Michael Jackson. Et en fait, je me suis dit, plus j'ai continué à suivre Michael Jackson, plus je me suis dit, un jour, je ferai un livre sur lui, parce que tout ce que je réunis, tout ce que j'amasse comme information, tous les disques que j'écoute, tout ça, ça servira à faire ça, quoi. Puis j'ai fait mon site internet en 2001, il y a 10 ans. Et en fait, le livre a toujours été un peu en gestation en moi depuis des années. Mais c'est vrai que c'était après le fait de trouver le temps. Parce que quand Michael Jackson était encore parmi nous, il y avait toujours des projets, ou alors il y avait mon site internet, ou il y avait toujours quelque chose qui faisait que je reculais un peu ce projet, je le décalais dans le temps. Et au moment du décès, je me suis rendu compte que c'était peut-être le moment de le faire. Et le titre King, d'ailleurs, vient d'une petite histoire, c'est qu'en fait, lui-même voulait sortir un livre qui s'appelle King. Et voilà, en fait, il sera un petit peu un livre qui retracerait sa carrière, toutes ses réussites. Et j'ai repris ce titre avec l'accord de ses assistants. Et je me suis dit, voilà, ben, on va donner vie à ce projet, non seulement en guise d'hommage, mais aussi comme un peu un accomplissement de tout ce que j'ai fait auparavant sur Michael Jackson. Voilà, un peu en fait, un cycle bouclé, en fait. Living sin 10 years ago on this day in motion. I promise I would never ever be returned. When my baby broke my heart and left me yearning. As we walked to the room, there were faces staring, glaring, tearing through me. Smile with eyes that looked as if they knew me. This is scaring me. We walked up the stairs, still the ceiling blue. There were two girls sitting in my room. She walked up in my face, said, "This is the place. Used to meet you right here in Noon." This is Heartbreak Hotel. Welcome to Heartbreak Hotel. So this is en fait, il a bercé mon enfance et mon adolescence, surtout pour l'époque de Slayer où j'avais à peu près 13 ans. Et je pense que c'est une légende qu'il faut absolument qu'on fasse en sorte qu'elle vive pour toujours. Et qu'on fasse en sorte aussi que les nouvelles générations le connaissent et l'aiment autant que nous l'aimons. Je n'ai pas encore acheté ce livre et je compte le découvrir après avoir fait cette dédicace ce soir, un peu mon déplacement. Vous avez pu parler un peu avec Richard? Rapidement, je l'ai déjà rencontré lors d'un flash mob que nous avions fait le 25 juin en l'honneur de Michael. Donc c'est la deuxième fois que je le rencontre et c'est ce qui m'a donné envie d'en savoir un peu plus sur son livre qui donne l'opportunité d'en savoir un peu plus aussi sur comment Michael a fait chacune de ses chansons par rapport au thème, les musiques choisies, son inspiration. Donc ça m'a donné envie de venir. J'ai fait un très bon cadeau à un ami cher, justement pour son anniversaire, qui était ton livre. Et jusqu'à présent, il est encore en train de le dévorer. Et je pense que c'est quelque chose qui se lit comme certains livres qui a pu marquer notre enfance. Et ça partira pas au niveau de Michael. Et je pense que c'est une bonne chose. Et que ça continue en fait. Qu'est-ce que c'est? Michael Jackson, Jackson 5, Nine Hours, et c'est super. Vous l'avez eu comment? Pardon? Vous l'avez eu comment? Ah, j'ai eu les 20 premiers qui venaient ici, ils avaient droit à un lot gratuit. Le coffret, ben voilà, il contient apparemment un t-shirt, mais
Ils ont réussi à vachement le réduire pour qu'il rentre dans le plastique. Et ça. Pour procéder, voilà. Double disque. Voilà. Apparemment, j'ai été assez chanceux, quoi, parce que. Il y a du lourd, quoi. Bonjour, il se passe quoi ici? C'est pour que tu gagnes ta banque. Ah, d'accord. en fait, c'est une surprise, Richard ne sait pas que je suis là. Je suis l'agent M. Je suis perdu! Il est quelle heure, Marine? Il est 18h35 et je me suis perdu alors que c'est tout droit. Et tu travailles où? Je travaille au. Et nous sommes où? Nous sommes sur les grands boulevards à 500 mètres. D'accord, merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, dans ces moments-là? Et débordé, ouais, c'était surpris et content, c'est vrai. Tu t'as trouvé ça, toi? Je kiffe cette photo là. Ouais. J'adore cette photo. Ben Jonson. Je trouve que c'est une des plus belles poses qu'a jamais pris Michael. Voilà. C'est la classe. Je savais que t'allais bien me filmer, je savais. Tu veux dire à moi la caméra, c'est ça? Non, j'ai pas de mots à dire. Karine. Richard, je te souhaite bonne continuation, que la force soit avec toi. Ah, tu poses une colle là aussi. Quand tu sais jam, tu sais que je fasse moi. Hein, comment on fait? De quoi? C'est quoi le problème? Je peux pas faire un truc par rapport. Je suis pas Billy Jean, c'est Billy Jean. Billy Jean, là. C'est Marine, je sais. Donc, il y a une fille qui s'appelle Marine, mais je sais pas qui c'est. Je ne signe pas pour elle. Participe. Richard, j'ai commencé ton livre, j'en suis abad et tu sais ce que j'en pense. Mais bon, j'aime quand même. Je crois que je vais le garder en livre référence sur ma table de nuit au cas où je cherche une chanson, une petite anecdote, quelque chose comme ça. Et merci beaucoup pour le mot. Voilà, je suis très contente pour toi et j'espère que tu nous offres un truc comme ça. Franchement, il a souhait. Il a fait du bon boulot. Il a fait du bon, tu vois, de voir un bouquin qui parle seulement de l'artiste. Sa carrière artistique, sa carrière des albums, de la musique, et pas de tout ce qu'on tout ce que fait, ce que c'est pas. En fait, ce qui était très important, c'est de rencontrer des gens, de se voir, de discuter, d'échanger. Voilà, c'est un événement très simple, très libre. On a pu tous se rencontrer, discuter de Michael, échanger. Un grand merci à Brad Café qui nous a accueillis, à tout le monde, à toutes les personnes qui ont participé. Aimez-le comme il vous a aimé. Mais c'était assez sympa, je trouve, de réunir deux auteurs pour faire deux livres qui à la fois n'ont rien à voir, puisque l'un est une bande dessinée, enfin une graphic novel, et l'autre un livre d'interview et d'histoire. Mais le sujet étant Michael Jackson, je pense que c'était assez légitime de les rassembler. Et c'était assez réussi. Donc merci à Pascal Crossy, merci à Richard Lecoq, et aussi à Arnaud Café.